for you. Ok, ok, yo les gens, c'est Ellipse, donc j'espère que vous allez bien. Pour ma part, c'est moyen. Donc là, je vous fais l'intro du jeu d'aujourd'hui. Donc c'est Wooden Floor, un jeu d'horreur indépendant qui a été créé par un fan de jeu d'horreur, justement. Alors, juste une petite intro à la vidéo pour m'excuser, car la vidéo a déjà été tournée. Et du coup, comme je n'ai pas de caméra professionnelle, il y aura un petit décalage entre ma voix et mes expressions du visage, voilà. Et voilà, du coup j'ai dû faire pas mal de coupures pour que ça reste quand même assez correct. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc je vous laisse tout simplement me laisser votre avis dans les commentaires. Et par pitié, soyez indulgents parce que vous me connaissez, je suis une vraie tarlouse. Donc voilà les gens, sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Alors, comment est-ce que ça se joue, ça? Attendez, déjà je vais couper la fenêtre de Skype en haut. Oh, ah, je peux pas couper la fenêtre de Skype en haut qui est avec moi là. Attends, what the fuck. Comment est-ce que je coupe ça? Ah voilà, comme ça, voilà. Voilà, c'est parti. Bon alors, un play de floor select. C'est-à-dire floor select. Attendez. Oh putain, c'est flippant. Begin. Ah oui d'accord, donc je suppose que c'est le niveau, ça. On va commencer au début, enfin ça me paraît. Oh putain, l'armoire qui se ferme. Non. Attends, Q pour revenir en arrière. Mais c'est quoi ces machins? Ah ok, on peut utiliser les flèches aussi. Ouais, donc c'est les flèches qui vont me servir le plus. Est-ce qu'on peut sauter? Ah ok, donc on peut sauter. Mais le problème, c'est pour avancer. Attends, donc A. Attends, A pour aller sur la gauche. S pour reculer. D pour aller à la droite. Et pour sauter, c'est pour avancer, c'est W, d'accord. Donc W et espace qui vont nous servir. Alors c'est quoi de ça? Qu'est-ce qu'il est marqué sur cette feuille, les amis? Focus object in the center of screen and press A to... Ok, donc il faut bien se mettre sur les objets et appuyer sur E fatalement pour les prendre, je suppose, c'est ça? Non? J'appuie sur E, ça ne fait rien. Oui, très bien. Est-ce que je peux... Ah. Qu'est-ce qu'il y a dans ce tiroir? Ah, une clé, je suppose que ce sera utile. Je peux pas cliquer directement, non? Non, c'est de la merde. Donc c'est bon, on a la clé. Un bout de papier, est-ce qu'on peut... Non? Non, ah, visiblement la caméra ne veut pas qu'on aille jusque là. Donc, alors écoutez, on va partir. Hein. Je peux vraiment pas le prendre? Non? Ouais, on va fermer. Hein. Comment est-ce que je ferme? Ah, d'accord, ok. Alors, on va examiner un petit peu qu'est-ce qu'on peut prendre dans cette... Je ne connais pas encore mon clavier, excusez-moi. Alors, une horloge, quelle heure là? Il est... Je me demande si elle avance en temps réel. Attends, là, donc là, d'après l'horloge, il est minuit, presque 35 d'ailleurs. Oh putain! Oh putain, l'orage! Oh, il m'a fait peur. Ah, si jamais je suis en Skype, j'avais oublié de préciser, je suis en Skype avec vous l'appelez Myria ou Imoto, à vous de voir, hein. Bonjour. C'est comme vous voulez. Oui. Bon. Un livre. Alors là, je me demande qu'est-ce qu'ils peuvent nous raconter là-dedans. Ah, d'accord, je peux porter le livre, mais je ne vois pas dans quel intérêt en fait. Ah bon, d'accord, j'ai porté un livre pour le faire tomber. Alors attends, en fait je vois pas trop ce que je peux faire dans cette pièce, je crois qu'il n'y a rien à faire. Alors il y a juste une armoire ici, on va peut-être fouiller, voir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant avec ça. Alors, putain, j'ai eu peur de screamer, donc il n'y a rien dans cette armoire là apparemment. Okay, donc, par contre je vais prendre le réflexe de fermer derrière moi, parce que, oh putain le bruit, okay, parce que voilà. Qui la gueule. Oui voilà, exactement. Alors déjà, perso, le portrait de squelette, là, comme ça, je suis pas fan. Alors, donc, je suppose que la clé qu'on a ramassée, voilà. Oh, putain. Et on a même pas de lampe torche. Ok, donc, fermez la porte derrière moi. Et tu vois, ce qui me fait vraiment peur, c'est qu'en fait, tu vois, genre, je me retourne comme ça pour fermer la porte, et puis d'un coup, je me retourne, et puis un gros screamer devant moi. Et ça me fait flipper. Surtout les petites filles avec les cheveux dans la gueule. Oui, non, ne me fais pas peur, s'il te plaît. Attends, mais c'est A pour aller à gauche, mais c'est... Et sérieux, en fait, si vous voulez, ce jeu était conçu par un fan, donc c'est Wooden Floor, comme je l'ai précisé au début de la vidéo. Et ça a été conçu. Putain, c'est quoi ces bruits? Oh putain, j'ai peur. Donc ça a été conçu en fait par un fan, donc. Oh, putain, l'orage. Je vais jamais te dire, je vous jure, les gens, je vais pas pouvoir le finir ce jeu. Ah, je vous jure, j'ai trop peur. J'entends des portes qui s'ouvrent derrière moi. Oh putain! Mais c'est le jeu de Satan!
Quelqu'un toque à la porte? Oh putain! Oh non! Ah c'est mort! Ah c'est mort, j'enlève le casque! Ah je vous dis, ah non, ah c'est mort! Vous savez quoi? Je me casse, voilà, démerdez-vous! Qui toque à la porte, ça me fait peur! Non, tu me souviens pas? Non, absolument pas. Mais attends, t'as un mec qui toque à la porte, s'il te plaît! Ah moi je l'entends pas, donc techniquement. Oh putain, y a des portraits qui ont bougé de place! Mais c'est ta mère, elle va nettoyer un petit peu. Quoi ce bordel? En fait, je me dis, on est toujours méchants les jeux d'horreur, mais en fait, aussi bien qu'ils sont très accueillants, par exemple, regarde, là, quelqu'un toque à la porte, je pourrais très bien aller le voir, et aussi bien que ça soit quelqu'un de sympa, tu vois, peut-être vivre une aventure sympa, en fait. C'est peut-être un ça troll, c'est pas. Oui. Ça se trouve, c'est ta grand-mère qui fait nettoyer ta chambre. Ouais, c'est possible. Même si. Oh tu putain, le bruit des portes, je vous jure, dans ce jeu, mais oh là là. Et la luminosité, surtout que c'est pas. On voit pas grand-chose, hein. Putain, j'ai. Eh, je vous jure, j'ai vraiment peur. Oh putain. Oh putain, 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 putain. Oh! Putain, l'orage! Alors, donc voilà, on a ramassé une clé. Alors, je ne sais pas à quoi est-ce qu'elle va nous servir. Est-ce que quelqu'un. Ah! Oh! Oh! Putain! Oh, il y a eu l'orage, ça a fait tomber tout le toit, oh, putain! Pour l'instant, il n'y a que l'orage, mais. C'est bon, tu fais déjà littéralement pisser dessus. Ok, je ne vais pas traduire ça. Oh putain, eh non, mais je vous jure, mais. Donne le code. Bonjour! Concierge, je me présente. Oh, putain, il y a la musique d'une petite fille. S'il te plaît, viens me rendre visite encore une fois. Ah, je me casse, je me casse. Eh, non, ah non, non, non. Eh. Non, mais c'est ta grand-maman, elle t'a. Attends, attends, non mais. C'est bon. Ah merde. Ah non mais, c'est bon. Et moi, je vous dis, c'est mort. Je remonte dans la chambre, les gars. Ah non, je remonte. Ah non mais s'il te plaît, tu vois, je débloque la porte, tu sais, c'est là que ça toquait depuis tout à l'heure, et puis là, s'il te plaît, je la débloque, et puis là, qu'est-ce qui se passe, s'il te plaît, il y a une petite musique, c'est genre, tu vois, comme pour les bébés, là, tu vois, les musiques que tu tournes à manivelle, ouais. Il y a genre cette musique-là, et puis là, il y a un papier sur la table où c'est marqué, s'il te plaît, reviens me voir encore. Ouais, de toute façon, j'ai pas trop le choix, les gars, je crois qu'il va falloir aller, oh, putain, l'orage. Je pense qu'il va aller falloir ouvrir surtout. Attends, 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 attends. Hey. Hey, les gars. Hey. La pièce était pas comme ça avant. Il y a une garde-robe maintenant. Il y a un papier. Qu'est-ce que c'est marqué dessus? Ah putain, mais. Oh là, le portrait qui tombe sur moi. Ah putain, mais ce qui est flippant, c'est que je joue sur l'écran de ma télé. Donc c'est 10 fois plus flippant que. Ah! Non, je ne peux pas. Je ne peux pas rentrer. Oh. D'accord, donc en fait, si tu veux, il y a. Donc il y a une étagère qui, du coup, s'est ouverte. Et qui donne sur une pièce, d'accord. Au passage, derrière moi, c'est tout s'est refermé, non. Donc on va refermer ça par sécurité. Donc en fait, tu veux. Donc j'ai ouvert, du coup, une armoire. Et en fait, je ne peux pas rentrer. Et si ça se trouve. Ce n'est peut-être pas bien de fermer les portes derrière soi. Bah, si le monstre arrive et que tu ouvres la porte et que ça prend du temps pour ouvrir la porte, t'es un peu dans la merde. S'il te plaît, ne me. Hein. Bonjour, je viens vous rendre visite. Je suis l'épicier du coin. Oh putain, la porte qui sème derrière moi. Hein? Ça s'est fermé à clé? Oh! Il y a de l'eau qui monte! Attends. Do you sometimes feel like. Ok, donc. En gros, je vous traduis. En gros, ça donne. Est-ce que parfois tu as l'impression que tu files dans la mauvaise voie? Oh putain, il fait tout noir. Putain, je vois rien. Oh! Il y a. Oh!
petite fille. C'est là qu'elle te sort. Bonjour. Bonjour. Oh putain, elle disparaît devant moi et je vois rien, il fait trop noir. Bon. Les gens, on va s'arrêter là pour ce premier épisode, hein, parce que là, je n'en peux plus. Donc si ça vous plaît, on n'en refera pas. Hein? Non, sérieusement, si ça vous plaît, j'en en refera. Mais je suis très fragile. Donc j'espère que vous me S'est pardonnerez. fait Donc voilà. littéralement pipi dessus. Merci, exactement. Donc voilà, donc du coup les gens. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, donc j'espère que ça vous aura plu, donc si c'est le cas, putain ça me fait peur, si c'est le cas vous me laissez un petit like, vous partagez la vidéo, vous commentez comme d'hab, vous savez comment ça va, et du coup, n'hésitez pas à me le dire si ça vous a plu, si vous en voulez plus, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, voilà, ciao ciao!